Salut tout le monde, dans cette vidéo vous allez voir comment je passe de ça avec principalement tous des produits Belle. J'ai eu l'occasion de pouvoir tester les produits Belle, que j'ai reçus du site cosmeopolis.com. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la barre d'infos, je vous mettrai les prix au fur et à mesure que je me servirai des produits et je vous dirai bien sûr ce que j'en pense. Précisons que je suis malade, que ça s'entend peut-être un petit peu, que j'ai pas mal de rougeur que normalement je n'ai pas parce que je me mouche énormément. Donc ce sera un maquillage très léger parce que je sais très bien que je vais me remoucher dans la journée et que je vais avoir une tête pas possible. Donc vraiment maquillage léger pour des jours un petit peu difficiles. J'ai déjà appliqué bien sûr ma crème hydratante, ce n'est pas le but de la vidéo, le but de la vidéo ce sont les produits Belle. Donc je vais mettre ce skin camouflage de la marque Belle bien sûr, le Royal Matte High Tech avec de l'aloe vera dedans. C'est un fond de teint matifiant et couvrant. Bien sûr, mais sans effet masque, c'est ça qui est super intéressant. C'est un effet mat, donc idéal pour les peaux grasses, et ça tient vraiment pas mal d'heures. Je ne dirais pas que ça tiendra toute la journée si vous avez la peau très grasse, ce qui est mon cas, mais en tout cas, ça tient vraiment bien. C'est un fond de teint mi-liquide, mi-crème. Enfin, voilà, moi je l'applique au doigt. J'applique toujours mes fonds de teint au doigt, je trouve que c'est plus... L'effet est plus naturel, je trouve. Comme je suis malade et comme je suis fatiguée, forcément ça va de pair, je rajoute un petit anti-cerne. J'ai ici mon full cover de chez Makeup Forever. Ce n'est pas le but de la vidéo, c'est juste pour vous dire que je rajoute ça parce que j'en ai vraiment besoin, je suis vraiment fatiguée. Poudrer, oui, moi je mets toujours ça avant de poudrer. Je vais mettre une base pour les yeux, eyeshadow base professionnelle de la marque Belle. C'est une base pour les yeux qui se présente en pot, qui s'appelle le Perfect Skin de chez Belle. Très sincèrement, je trouve qu'elle ne vaut pas la base pour les yeux de chez Urban Decay. Ça reste pour moi, Urban Decay, ça reste incontournable. J'ai la peau grasse, bien sûr, je n'arrête pas de vous le répéter. Alors si vous avez la peau normale, je pense que ce sera vraiment nickel pour vous. Parce que moi, avec ma peau grasse et mes paupières grasses, forcément, ça va avec. Ça migre un petit peu en fin de journée. Je veux dire, c'est pas catastrophique, mais ça migre un tout petit peu en fin de journée. Donc voilà. Donc je l'applique tout simplement au doigt. Il n'y a pas de mystère, j'en mets pas de trop. Parce que j'ai déjà remarqué que si on en mettait de trop... C'est pour toutes les bases, hein. Ça ce n'est pas que pour celle-ci. Si vous en mettez trop, ça fait l'effet inverse. Ça migre encore plus, donc il faut vraiment bien doser sa base pour les yeux. Et en général, ça devrait quand même fonctionner. Je vais pouvoir poudrer mon visage. Pour ça, j'utilise une poudre quelconque. Vous pouvez utiliser une poudre liée, vous pouvez utiliser une poudre compacte. Moi, pour l'instant, j'utilise la Flower Perfection de chez Bourjois. Je l'aime beaucoup, c'est une poudre libre, voilà, tout simplement. J'aime bien l'odeur, c'est un petit peu, c'est très fleuri, c'est même pas un petit peu, c'est très fleuri. Et je la trouve sympa, mais bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre, bien sûr. Ah, mais j'ai du fond de teint dans les cheveux, vous ne pouvez pas me le dire. Me laisser comme ça. C'est dégueu. Et même si on est malade ou qu'on n'est pas malade, on a quand même besoin de rehausser un petit peu ses pommettes. Donc je vais mettre un blush. Pour l'instant, mon blush chouchou du moment que je n'arrête pas de mettre, c'est de la marque Alverde. Voilà, il est nickel, il est parfait. Mais bon, n'importe quel, bien sûr, n'importe quel blush fait l'affaire. Pour les yeux, je n'ai vraiment pas envie de m'embêter, je n'ai pas envie de faire un smoky, je n'ai pas envie de faire quelque chose de malade, j'ai pas envie de mettre du liner, je suis malade, donc forcément, je vais mettre quelque chose de très simple. Et j'ai choisi de la marque Belle un fard à paupières hypoallergénique, celui-ci, je vous le montre directement. Pourquoi j'ai choisi cette couleur-là? Parce qu'elle me faisait énormément penser à la couleur Virgin de chez Urban Decay. Alors, il y a quelques petites nuances en plus, elle est un petit peu plus rosée, mais franchement, je pense qu'elle vaut vraiment le coup. C'est ici la numéro 80, vous avez, je crois, 4 ou 5 coloris disponibles sur le site.
Je pense que celle-ci, c'est vraiment la plus passe-partout et vous pouvez vous en servir très facilement, comme je vais vous montrer. Moi, ce que je fais le matin, c'est que je l'utilise au doigt, directement. Vous voyez, elle est magnifique, la couleur est sublime. Et je la mets directement sur ma paupière. Je vais même dans le creux, ici. Et là, ça suffit à illuminer un petit peu l'œil, à le rendre un petit peu moins fatigué. Et voilà, le maquillage de mes yeux est pratiquement terminé. J'exagère, je vais quand même mettre du mascara, je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Le mascara que j'ai eu l'occasion de tester est le Wow Crazy Volume Mascara. Alors le packaging est absolument sublime, vous avez un genre de petit corset sur le dessus, marqué Sexy and Glamour. C'est très girly, c'est très glamour, très sexy. Alors comme vous pouvez le remarquer, c'est une brosse en poils en silicone. Alors je ne suis pas super fan de ces brosses-ci, parce que j'ai toujours l'impression que ça m'en remet partout et que c'est pas du tout pratique. Mais vous allez voir que pas du tout. Je ne sais pas si c'est parce que je suis plus j'ai plus de dextérité avec mes doigts maintenant qu'avant, ou alors parce que cette brosse est absolument parfaite, je ne sais pas. Ça fait vraiment de jolis cils, très naturels et sans paquets, c'est vraiment nickel. Et voilà, rien qu'avec du mascara, on a l'air un petit peu plus éveillé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les yeux un petit peu plus éveillés. Voilà. Je vais me coiffer et je vais vous montrer quand même que j'ai une meilleure tête qu'au début de la vidéo. Voilà, coiffé. Et je vais juste rajouter un petit peu de brillant à lèvres. Et voilà. Je suis prête pour aller travailler sans avoir l'air trop fatiguée et trop malade, même si je le suis. Et grâce aux produits Belle, merci encore à Cosmiopolis de m'avoir donné l'occasion de pouvoir les tester. N'hésitez pas à aller cliquer sur les liens que je vous ai mis dans la barre d'infos et aller voir les prix surtout, vous allez être très surpris, c'est vraiment très bas et très intéressant. Donc il y a deux liens, vous avez le lien lecosmiopolis.com pour la France, mais malheureusement pour la Belgique, ils ne livrent pas en Belgique. Mais on a regardé, on a trouvé un autre lien, vous pouvez vous procurer aussi des produits Belle pour la Belgique. Et on vous a mis aussi le lien, comme ça même mes compatriotes belges pourront en profiter. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao !